Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je voulais vous montrer un tout petit haul. Donc, cet après-midi, je suis allée un peu me promener. Hein. J'ai été un petit peu faire un tour, un petit peu de marche et je suis rentrée à Action. Le scrap était bien fourni, mais on avait tout. C'était du matériel qu'on avait déjà vu. Mais j'ai trouvé cette petite boîte. Et moi, que j'avais jamais vue. Hein. Donc, vous me direz si elle y est déjà dans votre Action ou vous l'avez déjà vue. Donc, c'est une petite boîte de perles, de demi-perles. Donc, d'habitude, nous les avons dans des papiers comme ça. Hein. Et là, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus intéressant de les avoir dans ces petites boîtes. Donc, je vais essayer de l'ouvrir. Je vais l'ouvrir, il doit y avoir un scotch, voilà. Là aussi, je l'ouvre et je trouve qu'elles sont magnifiques. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous avez les grosses perles, vous avez les perles moyennes et les petites perles. Elles sont très bien rangées et j'en ai pris qu'une. Hein. Il y avait toutes sortes de couleurs et ce qui est bien, c'est qu'elles ont dégradé. Donc il y a deux couleurs qui est en dégradé. Voilà le rose et là, c'est le gris. Il y avait du bleu, il y avait du jaune, hein. Il y avait pas mal de couleurs. Hein. Moi, j'ai pris celui-là parce que c'est celle avec qui je me sers le plus. J'avais aussi trouvé ce genre de boîte aussi à Action, mais je trouvais que c'était pas pratique quand il fallait les enlever, donc on ouvrait là et puis pour mettre les mains et aller chercher, je me suis dit que celle-ci était vraiment très très jolie comme boîte, donc je vous la conseille. Elle était à 1,99 hein, je crois, elle dépassait pas 2 euros hein, et donc j'en ai pris une. Ensuite, je suis allée voir dans le rayon scrap pour enfants, hein, activité enfant, comme j'achète beaucoup de choses pour mes petites filles, hein, j'aime bien voir les petites nouveautés. J'ai trouvé des petits carnets, je pense que vous les avez vus, je vous en ai déjà montré. Donc, je voulais les licornes, mais j'ai trouvé celui-là. Il y avait beaucoup de thèmes, il y avait toutes sortes de thèmes, hein, et j'ai trouvé celui-là très très mignon. Donc, je vais essayer de peindre et de faire des cartes, je vais voir ce que ça donne. J'ai pris celui-là qui était à 45 centimes, je pense, à peu près 45 centimes. Ensuite, je suis allée faire quelques courses à Carrefour. Et à Carrefour, j'ai trouvé des petits accessoires que je pense vous serviront beaucoup en scrap. Hein. Et en plus, qualité-prix, c'était à 99 centimes d'euros. J'ai trouvé ça génial. Moi qui ramasse toujours mes petites perles, toujours avec les doigts. Donc, j'ai trouvé ces petits articles, hein, ils sont au nombre de 4. Et c'est des petites pinces. Donc là, derrière, c'est marqué que c'est pour faire des miniatures, hein, je pense. Hein. Donc il y en a 4. Et moi, je trouve que pour le scrap, ils sont magnifiques. Je ne sais pas si on les voit correctement. Est-ce que je les mets sur du blanc, on les verra mieux. Voilà. Donc il y en a 4. Il y a celle-ci. Donc on peut prendre toutes sortes, on va voir même avec les perles, hein, on va essayer, je vais ouvrir. Voilà, regardez, hop, elle est très large et on peut prendre vraiment les perles. Hein, il y en a une autre qui est un peu plus fine, là, pour prendre tout ce qui est petit, hein, les petits objets ou soulever, ou je trouve qu'elle est vraiment bien. Elles sont très très bien à manier et de plus on peut très bien les laver, je veux dire, elles se désinfectent très bien puisque c'est de l'acier. Et il y en a deux qui sont à peu près pareilles, hein. Voilà, il y en a une toujours pareille mais en droit, celle-ci est un petit peu plus penchée et il y a celle-ci qui est simple pour pouvoir travailler. Donc j'en ai pris une série et je me suis dit pourquoi pas vous le proposer parce que je les trouvais vraiment très très bien et surtout le prix était vraiment très très intéressant. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé, c'était simplement pour bavarder avec vous un petit peu. Donc je vais vite me remettre au chaud et je vais aller un petit peu scraper. J'espère que vous avez passé un bon moment, bien qu'il était mini. Moi, j'ai passé un très agréable moment avec vous. Je voulais remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Protégez-vous, protégez les vôtres et faites attention à vous. À bientôt, au revoir.